7 à 8 cet après-midi et émission 7 ce soir. Forte rafale. Information complémentaire. Mère de Rune Grosse de Bréa avait mis à la mi-journée. Fin de diffusion du bulletin météo. Il y a bien 4 mètres à peu près. Hein. Bon, ça va, il est bien. Ouais, pas quand même. Hein. 41 nœuds de vent moyen et 52 nœuds en rafale. Ouais, c'est pas un temps à sortir. Ah, c'est ma sortie du Ludivine pour contact BHF. Recevez-vous ? Oui, Ludivine du Stif, bonjour. Fort et clair. Oui, bonjour monsieur, est-ce qu'il serait possible d'avoir la force et la direction du vent, s'il vous plaît ? Oui, Ludivine du Stif actuellement à la station avant dans le 310 pour 37 nœuds, établi 50 en rafale. Ah, tout bien reçu, merci, bonne fin de car. Oui, également, bonne mer, bonne journée. Merci. C'est du vent de nord, ouais, bah ça passe dans l'interstice de la porte, alors ça siffle bien. C'est comme les tempêtes, hein. Au début on les trouve formidables, et puis à un moment on a juste envie que ça s'arrête. Il y a un vent, c'est le vent qui rend fou. Et les animaux, ils ont une réaction vraiment. Ça les rend baboule, ils courent, ils sautent, et bon, là, quand c'est le vent qui rend fou, bah, on attend que ça se passe, quoi, hein, de toute façon. Voilà, on sait qu'on fera rien avec nos animaux. Les humains, ça se voit moins, quoi. Ils sautent moins haut. Mais, oui, bah, c'est sûr, bah, y a un moment, c'est usant, quoi. Voilà, c'est ça, le vent, là, comme ça, qui continue tout le temps. Ici, il y a quand même des traits culturels assez forts, quoi, et qui sont toujours bien vivants. Et les girouettes, ça faisait partie de ces traits culturels, là. Donc du coup, je me suis intéressé à ça, j'ai commencé à dessiner les girouettes que je voyais, à répertorier les différents modèles, on va dire, traditionnels. Et puis ça m'a donné envie de faire la mienne, et puis j'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis le fait qu'on les fasse en bois. Donc au début, je pensais que c'était parce qu'on n'avait rien d'autre, voilà, par défaut, on prenait du bois parce qu'on n'avait pas de métal. Mais en fait, sur la zone littorale, c'est très intéressant d'utiliser le bois, parce qu'évidemment, ça rouille moins vite. Comme une montre. Quand t'as pas de montre, tu fais 100. Et puis quand t'as une montre, en fait, tu passes ton temps à la regarder. Et bah la girouette, c'est pareil. En fait, tu vas la regarder avant de prendre le vélo, savoir si le vent a tourné, si le temps va changer, quand tu vas mettre ton linge sur le fil, pour ne pas avoir le drap qui se plaque tout mouillé sur ta figure, ben c'est mieux d'aller du bon côté du fil. En fait, ça va devenir un réflexe de la regarder. Thank you.
J'adore quand la mer elle est mauvaise. Quoi. C'est tellement joli à voir. Et c'est pour ça que j'aime bien le cahier du vent fort, parce que plus il est fort, plus la mer est mauvaise, donc ça m'attire beaucoup plus. Quoi. Je suis devenu gardien de phare en 77, hein, et pendant les 6 premières années, j'étais en phare en mer. Quand j'étais au phare de la Gimont, en fin de compte, il y avait... Ben, quand il y avait des tempêtes, mais ça revient toujours pareil. Bon, le vent, on l'entendait bien, bien sûr, à l'intérieur. On ne pouvait pas sortir parce qu'il faisait trop mauvais. Mais c'était, après, c'était le plus, on entendait plus le bruit des vagues, en fin de compte, que le vent, parce que les vagues, comme elles étaient grosses, on les entendait arriver de loin et on savait, suivant le son, on savait si elle est vraiment elle est costaud ou si le phare allait trembler, parce que le phare, il bougeait à chaque fois. Quoi. Donc même quand on était à table, les verres, ça avançait tout seul. Quoi. Et la gamelle sur le feu, il fallait surveiller. J'ai vu un coup, même la poêle, elle est tombée du feu. Quoi. À force de bouger, on n'a pas surveillé. Mais, et tout ça, c'était dû au vent, parce que c'est le vent qui fait de la mauvaise mer, en fin de compte. J'ai monté souvent au niveau de l'optique, comme on est aussi, et pour voir les vagues arriver, puis éclater contre le phare, c'était impressionnant, puis c'était joli à voir. Quoi. On était à l'intérieur, on avait confiance. Quoi. Même si le phare tremblait à chaque paquet de mer, on était confiants. Ou peut-être inconscients en même temps, donc on ne se rendait pas compte que peut-être qu'un jour ça pourrait casser. Quoi. Pourtant, on sait qu'au phare de la Gimont, il y a un trou en dessous. Et c'est pour ça que tous les ans, c'était rebouché le trou, mais tous les ans, il repartait dès la première tempête. Le trou était refait. Il y a ici une colonie de fulmars boréaux. Donc c'est un petit cousin des albatros qui niche en assez grand nombre à Ouessant. On a à peu près 120 couples qui nichent sur l'île. Ce qui est amusant, c'est que quand on voit évoluer les fulmars près des falaises, les jours où il n'y a pas de vent, on a l'impression qu'il est bien emprunté. Hein. Il est obligé de battre des ailes beaucoup plus,
souvent. Et c'est pas franchement son truc. Quand il est en pleine mer, donc à l'automne, hein, jusqu'au début de l'hiver, parfois à 1000-1500 km des côtes, ça lui simplifie la vie, le fait qu'il y ait du vent, parce que ça facilite ses déplacements. Avec ses ailes, qui sont très particulières, hein, sur le plan morphologique, elles sont très fines, sur un même plan, elles sont pas du tout arquées comme celles des goélands, donc très effilées, eh bien, il est vraiment taillé pour utiliser les vents. On a assez régulièrement ici 140, 150 km/h en rafale. Je pense qu'il doit pouvoir observer ça en pleine mer aussi, voire même plus. Et c'est probable que c'est les jours où il y a 160, 180 km/h de vent, il peut au contraire trouver ça réjouissant parce qu'il va pouvoir faire peut-être 1000 km dans la journée. On ne vient pas chercher sur une île la société de consommation. Le cinéma ici, c'est l'extérieur, c'est aller se balader au vent. On se contente de ce qu'on a et finalement, ça suffit amplement. Le vent ici, la tempête, a amené des naufrages, des tragédies, et donc les gens sont habitués à une forme de fatalité. Et quand on vit dans un environnement qui peut paraître comme ça assez hostile, je pense que ça forge un caractère. Je pense que quand on vit dans un milieu urbain, par exemple, on n'a pas vraiment le sens des réalités, on sent pas vraiment la place de l'homme dans la nature. Ici, au contact de la nature sauvage, on a l'impression d'être plus libre. Oui. Le vent nous frappe. Moi, j'aime assez ça parce que j'ai vraiment l'impression que le monde existe, quoi. Et c'est important pour écrire d'avoir l'impression que le monde existe et de pas être dans quelque chose de filandreux, de purement virtuel, quoi. Toucher le réel, de cette sensation. J'adore écrire dehors. En fait, j'écris un peu comme les peintres paysagistes peignent. Wesson m'a aspiré. Elle m'a totalement envoûté, en fait.
suis resté 4 mois ici en résidence d'écrivain, en hiver. J'écrivais sur le vent, curieusement, alors que le vent, ça semble être du vide, parce que je n'ai jamais fait la différence entre le bruit ou le son et la musique. Et donc tout est musique pour moi, et dans le vent, j'entendais des musiques, des choses qui enflaient, qui disparaissaient, il y avait un côté convulsif qui me donnait des rythmes pour écrire, et aussi qui m'induisait à une sorte d'hypnose ou de transe, parce que je ne raconte pas d'histoire, c'est plutôt des émotions que j'essaie d'atteindre par l'écriture. Donc le vent m'apportait tout ça. J'avais l'impression d'écrire un peu sous la dictée, en fait. Il ne faut rien laisser traîner. Vous avez vu les ruches, il y a 2 parpaings. Pendant 6 mois de l'année, il y a 2 parpaings. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour éviter que tout s'envole. Sinon, bah, vous retrouvez les choses à Brest, quoi, ou en Angleterre. Naturellement, l'abeille noire de Ouessant est costaud. Sa morphologie fait qu'elle est adaptée à ce vent. Elle est adaptée à ce climat, à ce biotope, qui fait que quand même, elle sort. Sinon, ça se poserait des problèmes. Quand il y a beaucoup, beaucoup de vent, on voit que les abeilles sont... C'est le vent qui les dirige, elles sont plus maîtres de leur vol. Et je pense qu'on a beaucoup de pertes parce que les abeilles n'arrivent pas à revenir à la ruche. La première année que je suis arrivé ici, en été d'ailleurs, j'avais du mal à dormir. Parce que le vent me gênait, enfin m'enivrait. Enfin, le son du vent la nuit m'empêchait de dormir. C'était inquiétant, il y avait pas mal de tempêtes. Et quand on n'est pas habitué, c'est un peu impressionnant. Et je me souviens une nuit, j'ai été réveillé parce qu'il n'y avait plus de vent. Et ça m'avait interpellé. Ça faisait 2-3 mois qu'on avait du vent toutes les nuits. Vous voyez, le son, en fin de compte, bah c'est une musique, hein, donc on s'y habitue à force, quoi. Ici, à Ouessant, la mer est violente, les éléments sont violents. C'est des sensations fortes à cause de cette nature qui est dure à gérer, qu'il faut apprendre à connaître. Longtemps, on a cru qu'on pouvait tout faire et tout se permettre. Et c'est pour ça qu'on a fait plein de bêtises. On n'est pas chez nous, hein. On est dans la nature. C'est à nous de nous adapter.